Bonjour mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre invitation et je suis heureux d'être parmi vous pour partager un sujet qui me tient à cœur en ce qui concerne donc l'accompagnement. C'est bloqué. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que dans un premier temps, je ferai un petit spot sur pour vous présenter à la fois le CESI et l'environnement dans lequel je travaille, parce que je pense que c'est important pour situer mon propos de pouvoir aussi vous référer un peu à la fois à mon environnement de travail et peut-être aussi à quelques étapes de mon parcours professionnel, puisqu'en matière d'accompagnement, les trajectoires sont aussi des éléments importants. Et je vous propose donc de faire tout de suite cette première étape et je vous présenterai la suite. Auparavant, est-ce que vous savez que nous avons en commun, le CESI et les GRETA, une personne qui est à l'origine de nos deux institutions, qui est Raymond Vattier, qui a fondé à la fois le CESI et qui, je pense, a fondé ou était dans les fondateurs des GRETA. Et donc, entre des informations. Alors, vous verrez, j'ai essayé de mettre dans mes transparents un certain nombre de références de façon à ce que si sur un slide vous souhaitez approfondir un peu une question ou l'autre, vous puissiez avoir les éléments. Bon, là, c'est un des ouvrages de Raymond Vattier. Quelques mots sur le CESI. Donc, le CESI, c'est une association loi 1901, particularité d'être paritaire. Sa direction alterne entre des syndicats patronaux et syndicats salariés. Depuis septembre, c'est la CFDT, représentant le cadre de la CFDT, qui a pris la présidence du conseil d'administration du CESI. Nous sommes, depuis notre origine, un peu aussi centrés sur la promotion sociale, la diversité des apprenants et des parcours, au travers de 4 grandes activités, une école d'ingénieurs, une école de formation des managers, une école de l'alternance, et puis une structure de certification des compétences et un laboratoire de recherche, le LINEACT. Nous développons beaucoup de pédagogie active à travers l'individualisation des parcours, l'accompagnement, l'alternance. On a été l'une des toutes premières écoles à faire des formations d'ingénieurs par apprentissage. Et les pédagogies par problème et par projet. On vient de basculer toute notre formation d'ingénieur par apprentissage dans un dispositif total d'apprentissage par projet. Et puis on est intéressé et tourné vers l'innovation et les technologies. Alors, 25 campus en France, voilà je vous donne quelques chiffres. On a à peu près 60 000 diplômés dans notre histoire, 22 000 apprenants par année, on est 1 000 salariés. 2600 intervenants extérieurs, un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'activité, près de 9000 entreprises partenaires et 56 diplômes et titres qui sont proposés dans nos formations. Voilà. Quelques mots sur le LINEACT, qui est le laboratoire de recherche du CESI. Alors, ça a été une demande de la commission des titres d'ingénieurs il y a quelques années, qui a dit, c'est bien, vous formez des ingénieurs, mais des ingénieurs, il faut que ce soit dossier de la recherche, donc vous devez développer de la recherche. Et donc, depuis 5 ans, 6 ans, on développe une activité de recherche à travers un laboratoire qui s'appelle maintenant LINEACT, qui a deux thèmes interdisciplinaires, apprendre et innover, et puis un thème qui est autour de l'ingénierie des outils du numérique. Et on a deux grands domaines applicatifs qui sont l'industrie du futur et la ville du futur. Donc on croise ces thématiques dans les objets de recherche. Puis on a que des moyens à travers des plateformes de recherche et puis des Fab Labs aussi. Et une chaire d'enseignement de recherche avec Cisco Vinci Énergie. Mon expérience, moi, dans tout ça, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé 9 ans dans l'industrie, avant de rejoindre le CESI il y a 25 ans. J'ai eu différentes responsabilités de formateur, manager, responsable de titre.
Et aujourd'hui, j'ai mené un projet dont je vous parlerai tout à l'heure qui s'appelle ViaSaisi, qui était une plateforme numérique pour accompagner les projets professionnels. Et là, bon, j'ai acheté un peu d'expérience de la mise en œuvre du numérique. Et puis, une deuxième fonction que j'exerce actuellement, je suis le représentant du Saisi dans la direction exécutive d'un projet IDEFI qui s'appelle Innovante. Alors, les projets IDEFI, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des projets subventionnés par l'État afin de développer des initiatives pilotes et de développement en matière d'innovation pédagogique pour l'enseignement supérieur. Et dans le cadre de ces appels d'offres, nous avons déposé au Saisi, en partenariat avec les INSA, les universités de technologie, l'université de Lorraine, un projet autour du développement des compétences en innovation et à l'international pour les salariés des PME. Mais les salariés des PME, on le comprend comme commençant déjà par les gens que l'on forme aussi chez nous, et puis ceux que l'on forme, y compris en formation initiale et en alternance. Donc c'est un partenariat multi-école qui développe des ressources pédagogiques communes à toutes ces écoles et qui les mutualise entre les écoles. Donc on a des problématiques, je pense, j'ai entendu pas mal de choses déjà dans ce qui a été dit ce matin qui fait écho à ce que nous vivons à travers ce projet, hein, de produire des ressources, de disposer de plateformes LMS, se former, mutualiser, comment développer et promouvoir ces outils. Et puis donc la médiatisation de ressources numériques, le déploiement. Mais l'un des thèmes un peu fil rouge au travers de mon parcours, c'est tout ce qui touche à la conduite d'action, la prise de décision, le discernement. Alors sur des sujets différents, mais qui touchent autour de l'accompagnement en formation, les orientations projets professionnels, la formation à l'éthique, la formation à l'entrepreneuriat, au management. Et donc, depuis quelques années, j'ai un peu réfléchi ma trajectoire et je suis passé en partie sur un temps de recherche sur ces domaines-là. Et notamment, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir comment on accompagnait dans les formations. Et comme au sein du Saisi, on accompagne beaucoup le projet professionnel et qu'on a un gros déploiement sur ce thème-là, j'ai mené des recherches et j'ai effectué une thèse sur ces entretiens d'accompagnement. Et c'est un peu le fruit de ces recherches que je vais vous proposer dans les échanges et dans ma présentation. Donc ma présentation, le sommaire, présentation, je viens de le faire. L'idée, donc, c'est de vous présenter un peu d'une façon peut-être générale, globale, des repères sur accompagner en formation à travers une approche systémique. Faire un petit point sur une autre expérience qui était ce projet de plateforme web dont je vous ai parlé tout à l'heure. En déduire quelques pistes pour les formations hybrides. Et puis achever sur des considérations sur le spécifique un peu de l'humain en environnement numérique. Du moins, ça c'est un point de vue que je partagerai, vous pourrez réagir, mais c'est susciter un peu la réflexion sur ces dimensions-là. Alors le cadrage de mon intervention, c'est donc que je vais être sur un plan assez général, enfin global, et essayer de dégager les invariants, les grands repères fondamentaux de l'accompagnement. Et j'en dégagerai quelques pistes pour le numérique, mais je ne connais pas spécifiquement vos plateformes et tous les outils dont vous disposez, donc c'est plutôt vous qui vous saisirez peut-être des thèmes et qui vous direz « tiens, ça me parle et ça, c'est adapté et je le transpose ou j'en fais quelque chose, ou ça, non, c'est, je ne suis pas d'accord ou je ne vois pas comment l'appliquer ». Donc je vous propose un cadre et un schéma pour appréhender l'accompagnement d'une façon assez globale. Et puis quelques pistes de déclinaison, mais c'est plutôt vous, et je pense que c'est le rôle des ateliers aussi qui suivront dans l'après-midi, de voir comment vous en saisissez et ce que vous pouvez décliner. Alors j'essaierai d'interrompre un peu par partie, de façon à ce qu'on puisse aussi échanger, mais si vous avez des questions et en cours de route, n'hésitez pas à les poser. Donc mon point d'observation, c'est l'expérience d'entretien d'accompagnement et l'observation des pratiques des accompagnateurs. Cette expérience, j'ai moi-même, à travers mes années de formation,
accompagné beaucoup de stagiaires, donc j'ai une expérience personnelle. Mais à travers le temps de recherche, ça a été aussi l'occasion de pouvoir observer la pratique des autres et la pratique des confrères qui ont bien voulu ouvrir leurs entretiens. C'est ce double regard qui a été croisé aussi dans la démarche de recherche. Alors pour essayer d'illustrer ce que je mets derrière ce mot d'accompagnement et les situations que j'ai observées au sein du CESI, je vous propose un entretien auquel je risque de me référer régulièrement parce que c'était un peu un entretien emblématique dans tout ce que j'ai observé, qui est cet entretien d'Isabelle qui était élève en formation d'ingénieur, elle est en formation d'ingénieur par apprentissage. Et dans cette formation par apprentissage, il y a donc des temps en école, des temps en entreprise, une posture métier qui est travaillée, et puis un projet personnel et professionnel. Et dans l'entretien, ce qui apparaît, les différents thèmes qui apparaissent en termes de faits sur ces différentes étapes, donc c'est un premier quand même élément clé, c'est quels sont les faits, qu'est-ce qui se passe, accompagner, ça nécessite d'avoir une vision concrète des choses. Donc concrètement, là, Isabelle, elle a des résultats corrects, excellents en anglais, une mission qui est triquée, des relations difficiles avec un tuteur ne croyant pas à l'apprentissage. Elle vient de changer de tuteur au sein de son entreprise, mais ça reste compliqué. Elle se perçoit comme franche et directe, osant dire ce qu'elle a à dire. Et puis, elle rêve de bureau d'études et vient d'abandonner l'idée de changer d'école, parce que comme ça n'allait pas bien dans son entreprise, elle remettait en cause globalement sa formation, son orientation. Donc elle vient de changer l'idée d'abandonner l'école, mais elle a envie de se réorienter, pourquoi pas, vers la médecine. Ça arrive en fin d'entretien, ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça arrive sur l'accompagnateur. Alors, l'accompagnateur, lui, dans l'entretien, qu'est-ce qu'il perçoit et quel est son positionnement, lui ? Lui, il sait qu'il y a des tensions avec le corps enseignant. Et s'il est d'accord sur les résultats, en même temps, il sait que ça ne se passe pas tout seul avec l'environnement. Il considère que le tuteur est un tuteur vieille école, car il n'a pas compris ce que c'était que l'apprentissage, mais l'alternance, mais il faut faire avec. Il considère Isabelle comme peu diplomate, tempérament tranché. Et puis, il la considère assez vélitaire, partant dans tous les sens, sans vraiment de suite. Ouais, de fait, elle est un peu perdue. Et alors, ça c'est les faits, les perceptions un peu des différents acteurs à travers ça. Isabelle, elle, dans cette situation-là, elle a envie d'approfondir l'anglais ou une autre langue, puisque ses résultats lui permettent, elle voudrait développer et approfondir un angle. Elle est assez insatisfaite de sa situation d'entreprise et démotivée, hein, au point d'abandonner peut-être sa formation. Elle a de la satisfaction de savoir dire ce qu'elle pense. Et puis, elle a des doutes donc, sur son projet professionnel. Et puis, notre formateur, lui, il est ouvert à une formation, même y compris un stage à l'étranger. Il a des préoccupations sur les tensions avec le corps enseignant. Il a de la satisfaction et doute sur les causes et le traitement lié à l'entreprise. Bon, il cherche aussi une solution, mais il considère aussi que ce n'est pas satisfaisant. Il est embêté avec cette dimension-là. De l'insatisfaction sur la posture métier, au sens que le peu de diplomatie ne permet pas beaucoup le travail en équipe et que là, il y a un challenge pour l'accompagner, un point de travail pour pouvoir vraiment développer ce potentiel dans du travail d'équipe. Et puis un certain agacement par rapport aux différents tergiversations d'Isabelle sur son orientation professionnelle, considérant qu'il n'y a pas vraiment lieu et qu'il faut qu'elle se centre sur le premier projet qui lui paraît fondé, et qui paraît fondé à l'accompagnateur, et qu'il faut bien asseoir ça, mais mettre les conditions requises, et notamment des conditions entreprises satisfaisantes pour qu'elle puisse avancer. Donc voilà le type un peu de ce qui se joue, de ce qui se passe hein, dans un entretien pour illustrer. C'est à partir de l'analyse de ce type d'entretien que je vais tirer un certain nombre de règles qui sont à la fois l'analyse de ces entretiens, ça a été des enquêtes sur les accompagnateurs, sur les accompagnés, 73 enregistrements d'entretiens à travers différents accompagnateurs, différents
promo, et puis un zoom et un travail détaillé sur 17 entretiens et 4 accompagnateurs, 16 accompagnés. Alors, si on essaie de voir à quoi sert l'accompagnement et quelle est l'activité de l'apprenant, dans un dispositif, l'apprenant il a déjà à comprendre comment fonctionne le dispositif, s'approprier ce dispositif. Je pense que vous rencontrez la même chose, quels que soient les dispositifs, c'est où je suis, qu'est-ce que j'ai à faire, dans quel but, qu'est-ce que ça va m'apporter, il y a un certain nombre de questions, et puis comment je fais pour avancer et agir dans ce dispositif. Donc il y a à s'intégrer dans le nouvel environnement, prendre connaissance des collègues, des formateurs, des règles un peu de fonctionnement. Quand c'est de l'alternance, il y a aussi le temps en entreprise dans lequel il faut s'intégrer. Et puis participer aux activités et apprendre, satisfaire aux évaluations, préparer son avenir professionnel, c'est tout un tas de choses qui vont se mettre en place après au fil de la formation. Alors tous ces éléments-là ont des caractéristiques qui sont que en fait le champ de contrôle est étendu, enfin la vision est étendue. Alors selon les formations dont vous êtes coupé, si c'est un module, c'est juste un apport technique ponctuel, qu'on est sur un champ diplômant, professionnalisant sur un cycle long, c'est d'autant plus vrai. Il y a d'autant, on a, c'est compliqué de savoir finalement quand on démarre. Qu'est-ce que je fais? Quel est l'impact de ce que je fais? Et est-ce que je maîtrise bien toutes les informations? Est-ce que je suis dans le bon timing? Est-ce que mon action est efficace? Et est-ce que je suis bien à la fois dans les attendus de la formation et à la fois dans l'atteinte des objectifs qui font que je suis là? Donc on n'a pas forcément un contrôle immédiat de l'effet de ces actions. On a pas toujours les informations ou les inférences nécessaires au traitement et où c'est pas toujours accessible, on ne sait pas toujours où aller chercher l'information pour savoir si ce qu'on fait est efficace. On peut aussi avoir des difficultés par rapport à une matière et tout, donc ça rend plus complexe la situation. Et du coup, on ne sait pas si on maîtrise notre situation de formation, alors qu'il peut y avoir alors qu'il y a des enjeux forts en général quand on regarde le temps investi. Et puis l'impact sur la situation personnelle, professionnelle derrière. En plus, le propre d'une formation, c'est que ça se fait dans un temps restreint, donc c'est un accompagnement qui se fait pour optimiser un temps restreint. Même si c'est 2-3 ans, on a une période d'action qui est courte, et là, les entretiens observés, c'est un entretien par an d'une heure. Alors, il n'y a pas que ça comme interaction et comme accompagnement, mais ce que j'ai observé se joue vraiment dans les entretiens. Et donc, on est sur une heure pour optimiser, enfin trois fois une heure pour optimiser 3 ans de formation. Et en même temps, ça a des leviers importants quand on voit les effets que ça peut avoir. Bon, Isabelle était heureuse à la fin de sa formation et a retouché un peu son projet professionnel, mais de façon elle s'est plus orientée sur du management, puisqu'elle avait un besoin relationnel aussi qu'elle n'avait pas dans son entreprise. Elle a retouché et elle était épanouie à la sortie de sa formation. Donc en fait, quelques entretiens, tout ne s'est pas joué dans l'entretien, mais beaucoup dans l'entretien. Et ces entretiens ont des impacts forts sur la conduite de l'action après des personnes. Donc ne contrôle pas tous les paramètres, les collègues de formation, les formateurs, les tuteurs en entreprise. Et donc tous ces éléments-là, on les retrouve notamment dans tous. Ce sont des caractéristiques des situations qui sont... que l'on peut caractériser comme situation dynamique, avec un auteur qui a écrit dessus, notamment, c'est Jean-Michel Hoc. Donc, l'hypothèse qui est prise et le travail qui est mené, c'est de considérer que l'entretien d'accompagnement, c'est une situation dynamique, parce que l'accompagnateur ne maîtrise pas tout, puis ça va se jouer dans un entretien d'une heure avec un impact sur 3 ans et après la vie professionnelle, donc on ne maîtrise pas tout, donc on est dans une situation dynamique, dans lequel il faut prendre certains paramètres clés, jouer dessus, mais on ne maîtrise pas tout, et tout va, on ne contrôle pas l'ensemble du système, mais il faut qu'on ait un impact dedans. Et en même temps, cette situation dynamique, elle est faite pour d'entretien, elle est faite pour aider à la maîtrise des situations de l'accompagné, qui lui-même est dans des situations dynamiques. Bon, je vais profiter pour vous mettre une bibliographie d'ouvrage sur l'accompagnement, si vous êtes intéressé à creuser ce sujet. Alors,
Alors quand une personne est confrontée à des situations dynamiques, finalement, qu'est-ce qu'elle met en œuvre et sur quoi elle va pouvoir jouer pour mener son action, hein? Et bon, les situations dynamiques, c'est propre des situations humaines. On peut transposer ça à beaucoup de domaines. Mais quels sont les leviers d'action et qu'est-ce qui, finalement, permet d'agir? Alors, bien sûr, il y a la situation dans laquelle on se trouve. Agir, c'est aussi... on pose des actes. Ces actes se font en référence à un système d'attention. On va poser des actes au regard de certains buts que l'on a. On a peut-être des contraintes, mais on a aussi des buts que l'on poursuit. Et puis, une représentation de la situation. Hein, par représentation, c'est quel diagnostic je pose sur la situation et comment je considère que se trouve la situation pour poser les actes qui vont suivre. On fait appel à nos ressources, à nos compétences, nos qualités personnelles, qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser pour transformer la matière. Des points de contrôle. Et puis un pilotage cognitif. Un pilotage cognitif, c'est toute la prise de décision, les dilemmes à gérer. J'entendais les types de pilotage cognitif et de dilemmes à gérer. J'en entendais un tout à l'heure entre le développement de l'activité et le développement de la formation. Voilà, dans la prise de décision, il y a cet équilibre et ces tensions sur lesquelles on se trouve dans des compromis cognitifs, des équilibrages à faire autour de systèmes aussi d'intention et puis de ressources dont on dispose. Au regard des situations, des représentations des situations. Donc ça, on retrouve ces composantes et on peut analyser ces composantes. Et toutes ces composantes, elles sont en équilibre et en interaction. Si vous avez quelqu'un qui vient postuler chez vous, chez une formation commerciale, et que vous comprenez dans l'entretien qu'il n'est pas forcément à l'aise dans la relation à autrui, il peut avoir le but de se former à une formation commerciale, et on n'a pas forcément les ressources. Donc après, ça va être, si vous fonctionnez comme nous, ça va être se dire, est-ce que le gars qui lui manque, la formation va pouvoir lui apporter, ou est-ce que de fait, le projet paraît vraiment trop éloigné et pas très fondé pour lui. Alors, ça ne va peut-être pas se fonder directement sur un seul paramètre, mais vous allez appréhender un ensemble de paramètres de ce type, et c'est toutes ces interactions que vous allez appréhender pour pouvoir positionner un peu votre apprenant. Ça va ? Alors, si on regarde ce que représente chacune cases, de ces rubriques, ces catégories, qu'est-ce qui peut se cacher derrière dans l'entretien d'accompagnement, typiquement, on va demander très souvent quelle est la situation. C'est compliqué d'accompagner quelqu'un et de pas avoir une maîtrise de la situation, et il faut qu'il décrive un peu ce qui se passe, à la fois quels sont les acteurs, les lieux, dans quel contexte ils se trouvent. Donc les accompagnateurs, en tout cas, que j'ai observé, ont cette quête de quels sont les faits et quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est un point de départ. Et puis, dans cette situation, qu'est-ce que vous avez posé comme acte, concrètement? Quelles sont les actions qui ont été faites? Et si possible, les accompagnateurs essaient de vérifier le bien fondé du propos, souvent en recoupant à travers des observations dans le dispositif de formation, en recoupant à travers ce que le tuteur leur a dit. Si le jeune lui dit « je suis bien intégré en entreprise » et que le tuteur a dit « le jeune, il parle à personne, il est dans son coin », on va avoir une divergence un petit peu dans, peut-être, et un manque d'actes posés par rapport à ce qui est attendu. Un système d'intention, et là c'est important en termes de système d'intention, c'est qu'elle est aussi la hiérarchie des buts. Quelles sont les motivations qui animent la personne dans sa présence dans la formation, et quelles sont un peu la hiérarchie des buts. Ici on est souvent sur des hiérarchies de buts qui tournent autour de obtenir le diplôme. Il y a l'idée, alors si on se place du côté stagiaire, il peut y avoir l'idée de
Mon but, c'est un peu de satisfaire à la pression sociale des exigences des parents du type de reconnaissance du diplôme. Mais c'est aussi ce qu'ils méconnaissent davantage et ce sur quoi le formateur va souvent jouer, c'est quels sont qu'est-ce que c'est que le métier, alors ici le métier d'ingénieur, qu'est-ce que tu vas trouver comme plaisir et attrait dans ce métier et quelles sont les exigences de ce métier et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que tu arrives à satisfaire aux exigences de ce métier. Et donc il y a une hiérarchie de but que les formateurs ont souvent dans cette hiérarchie de but, on va dire dans l'urgence c'est obtiens le diplôme. Si ça va, on travaille le projet professionnel, et si ça va très bien, c'est le développement personnel et on développe ton potentiel, on essaie de voir ce que tu peux faire en plus. Ça, pour faire sommaire et un peu simple, c'est un des grands points de la hiérarchie qui est souvent prise. Il y a des questions de votre part, déjà sur cette première... Bon. C'est bon, merci. L'autre point qui est souvent travaillé de façon... qui a aussi un levier de travail des accompagnateurs, c'est les représentations qu'ont les accompagnés sur leur situation, alors tant en termes de faits, mais là aussi en termes d'opinion, de sentiments, quelles sont les connaissances théoriques, empiriques sur lesquelles auxquelles ils se réfèrent. Les représentations, c'est quand, par exemple, Isabelle tout à l'heure me disait bah, « je ne suis pas faite pour ce métier-là, ça se passe mal dans mon entreprise, je ne suis pas faite pour ce métier-là ». Le formateur lui a fait travailler sur sa représentation en lui disant « mais c'est une expérience, est-ce que tes collègues ont la même expérience ?» Est-ce que toi, si tu vas dans une entreprise, est-ce que ce sera forcément la même chose? Et ça a été un travail de, oui, finalement, ma représentation de la situation peut bouger. C'est pas parce que ça se passe mal dans une entreprise que toutes les entreprises vont avoir le même, que les choses vont se passer de la même façon. Puis l'autre chose, c'est qu'Isabelle avait, c'est aussi un peu le revers de l'alternance et elle avait peut-être pris rapidement une entreprise pour être sûre d'avoir quelque chose et sa mission d'entreprise était un peu restreinte et elle avait mis de côté son besoin de relationnel et elle était tout le temps derrière un ordinateur à faire des plans et à faire des choses. Et donc le formateur qui avait mémoire du parcours et des motivations d'Isabelle lui a dit bah, « c'est bizarre ». Tu es tout le temps derrière un ordinateur et quand je te vois dans la promo, t'es quelqu'un qui est tout le temps en relation, en train de booster les autres, etc. Donc peut-être qu'il faut que est-ce que tu n'aurais pas intérêt à prendre en compte cette dimension-là aussi et à l'intégrer dans ta dimension professionnelle. C'est comme ça qu'il a changé les représentations, fait prendre conscience, travaillé sur les représentations pour évoluer. Alors, l'autre travail qui est le travail sur les ressources, donc toutes notamment les compétences dont va disposer l'individu. Tu veux être agent commercial, il te manque un peu de fluidité dans l'entretien, il va falloir travailler telle et telle partie, travailler la négociation ou autre. Donc là, on va travailler en termes de compétences, être capable. Donc, je vous ai mis quelques éléments clés autour de ces thèmes-là, autour des compétences et dans ce qu'on avait fait sur Yassaisi, justement, on avait travaillé sur les formulations en verbe d'action plus complément, et puis décrire le contexte, décrire les résultats obtenus,
les difficultés surmontées, et à travers ça, on arrive à cerner un peu quelles sont les compétences, et donc quelles sont les compétences visées, quelles sont celles acquises, qu'est-ce qu'on met en place dans les cas. Les qualités personnelles, qui sont en général plus ce dont la personne dispose. On va rarement être payé pour une qualité personnelle, mais par contre on va apprécier cette qualité personnelle dans la façon de faire et de produire l'activité, donc pouvoir identifier ces qualités personnelles et puis les valeurs qui vont aussi contribuer et être plus ou moins compatibles avec certains métiers. Et toute activité humaine est aussi confrontée à ces dilemmes, à la gestion de ces compromis, avec à la fois des dilemmes, des prises de décision. Un niveau de performance, ça c'est Hock et Amalberti qui ont travaillé sur ces questions-là, de maîtrise des situations dynamiques, souligne beaucoup aussi le contrat de performance. C'est-à-dire que quand je m'engage quelque part, c'est à quel niveau je m'engage et qu'est-ce que je vise déjà personnellement. Qu'est-ce que le formateur vise peut-être pour moi, mais qu'on se mette d'accord sur quel est le niveau de performance que l'on vise. Donc ça, c'est un réglage aussi, une décision. Derrière ça, il y a le niveau d'engagement aussi, quel temps, quelle énergie j'investis. La gestion du temps, des risques et le traitement des erreurs. Ça, c'est des thèmes vraiment clés, et à la limite, quand on pointe sur ces thèmes-là, souvent on va très vite sur des éléments clés aussi liés à la situation de la personne. Et puis des éléments de contrôle de bon fonctionnement. Alors à mon avis, il y a deux grandes familles de demandes de contrôle. Il y a ceux qui sont factuels et qui correspondent à quel est le résultat de mon action par rapport à mon but et quels sont les écarts. J'ai voulu déplacer un crayon d'un point A à un point B. Est-ce que je l'ai bien mis au point B? Et à la limite, est-ce que je l'ai fait de la bonne façon? Si c'est dans un environnement social, il y a peut-être des règles sur la façon de le faire. Est-ce que je l'ai bien fait? Et puis, il y a le contrôle de l'adaptation de l'individu par rapport à la situation, c'est comment je me suis senti dans ça. Ok, j'ai atteint le résultat peut-être, mais au prix de quel effort, de quelle dépense d'énergie, est-ce que j'étais heureux de le faire, est-ce que pas heureux. Donc il y a tout le contrôle plus issu des sentiments, qui va donner un peu l'état d'adaptation de la personne à la situation, et qui a aussi un autre angle de travail important. Voilà, donc vous avez sous les yeux un résumé un peu des points clés sur lesquels les accompagnateurs, qu'observent les accompagnateurs qui sont en jeu, et des caractéristiques qui peuvent être mises en œuvre. On peut décomposer, mais ça donne un premier niveau. J'attire votre attention sur un élément, parce que dans le numérique, après, ça, la transposition mérite peut-être un peu de réflexion. C'est que les accompagnateurs, plus ils montent en expérience, plus ils vont disposer de formules types, et de formules types, et notamment de questions types, qui sont ces outils verbaux que l'on met en œuvre et qui permettent d'aller droit au but et de bien contrôler la situation. Alors, un exemple de formule type, j'ai surtout parti sur les questions types. Quand on veut connaître les motivations de quelqu'un et travailler avec lui sur les motivations, un formateur peut dire pourquoi, par exemple, pourquoi tu as fait ça. Mais le pourquoi, ça peut monter sur des causes plus de parce que je suis passé au carrefour parce que le feu était vert, hein, donc on est plus sur un élément causal de situation et pas sur un élément de pourquoi je suis en train de me déplacer, enfin quelle est ma motivation à me déplacer. Donc au début, moi, je me souviens m'être quelquefois pris les pieds un peu dans le tapis pour essayer de connaître les motivations de quelqu'un et ne pas avoir les mots ajustés tout de suite. Et dans certaines situations d'entretien, si on n'a pas tout de suite les mots ajustés, on part. Alors c'est surtout le cas quand on a une remarque à faire à quelqu'un ou autre. Il faut qu'on ait les mots pile au bon moment. Et je me suis aperçu, notamment en observant les membres de jury, j'ai eu un membre de jury dans nos formations. On a souvent des jurys professionnels qui viennent à la fin de nos dispositifs. Et il y avait un ancien DRH qui venait dans les formations RH. Et aussi, c'est un ancien ingénieur, donc il venait aussi dans les formations d'ingénieur. Et je l'ai souvent sollicité. Et je me suis aperçu qu'au fil du temps, j'ai commencé à repérer certains automatismes chez lui. Et quand il avait quelque chose de délicat à dire à quelqu'un, il le disait d'une façon très humaine et ça passait très bien. Mais je le voyais préparer le terrain peut-être une minute avant. Il y avait une séquence qui s'enclenchait avec quelques mots types, et
ces motifs permettaient d'introduire la séquence et de la mettre sur les rails. Hein, et le train était bien placé, la personne réceptive, elle prenait un coup peut-être sur ce qu'elle attendait, mais en même temps elle le prenait de façon positive, elle savait que c'était constructif et elle pouvait entendre et elle pouvait travailler. Et donc, je me suis aperçu en analysant les entretiens et en questionnant les accompagnateurs que plus leur expertise grandit ou leur expérience, plus ils disposent de ces questions types, plus elles sont affinées et plus ils en ont un panel large souvent. Hein, c'est-à-dire que la hiérarchie des buts, ben aussi, okay, c'est qu'est-ce qui vous pousse ou en quoi c'était important pour vous. On peut multiplier différents angles d'attaque. Qui vont permettre de varier, puis dans la conversation, de pas être un automate qui répète toujours les mêmes questions, mais qui va pouvoir prendre les choses de différentes façons. Donc, j'attire l'attention sur ce savoir-faire, sur ces outils, hein, que sont les mots, et surtout des mots qui enclenchent des séquences ou qui viennent à des moments clés, qui vont orienter le déroulement de l'échange. Avec l'idée que dans l'entretien, on est en interaction, alors on n'a pas le temps de réfléchir, donc il faut que ça vienne vite, il faut vite les mobiliser, donc ça doit être quasiment en réflexe à un moment donné. Sur une plateforme numérique, on a peut-être un peu plus de temps de réfléchir, mais on a moins la relation à la personne, et donc on peut aussi partir un peu pas être tout à fait ajusté, donc là, je pense qu'il y a un enjeu de relation autour de ça. Alors un inventaire rapide aussi pour quelques questions. À chaque catégorie, on retrouve des questions types, hein, et des éléments. Alors ça peut être plus détaillé, puis il y a certaines catégories qui sont plus vastes que d'autres, mais typiquement sur la représentation, c'est comment voyez-vous la situation, qu'est-ce qui vous fait penser à cela. Sur la situation, voilà, on est plus sur un descriptif. Quelle description concrètement d'écrire les choses, quelles actions avez-vous réalisé sur les actes. Sur les éléments de contrôle, ça peut être quels indicateurs suivez-vous, quels sont vos résultats, mais aussi qu'éprouvez-vous, quand éprouvez-vous, quand vous considérez la situation. Que savez-vous faire, de quoi disposez-vous pour en termes de compétences, et puis en termes de prise de décision, et c'est quand même un élément clé, parce que c'est souvent là que les gens rencontrent leurs problèmes, c'est dans les prises de décision, c'est souvent là c'est quand ils n'arrivent pas à prendre la décision, qu'on a souvent des éléments d'information aussi clés qu'on peut aider. Donc quelle disposition avez-vous à prendre, à quel dilemme êtes-vous confronté, ce sont des genres de questions types qu'on peut avoir. Alors tout ça n'est pas suffisant pour... ne sont pas les seules choses qui sont mises en œuvre par les accompagnateurs, parce que, comme on l'a indiqué tout à l'heure, tout ça c'est dynamique, ça bouge, c'est en interrelation, et il y a aussi à capter un peu de cette interrelation, et puis c'est en relation aussi avec le temps. Finalement, à travers ces composantes, on accède à certaines caractéristiques de la personne à un instant donné. Puis dans le système, dans le parcours de formation, ces caractéristiques vont évoluer, les buts peuvent évoluer, les compétences vont évoluer, les représentations vont évoluer. C'est à la fois le travail de formation que d'agir sur tout ce système et de le faire mieux s'adapter à des contraintes sociales, à des contraintes professionnelles. Et puis en même temps, je dirais, c'est aussi la personne qui garde sa liberté et sa propre spécificité à travers ça. Donc c'est un équilibre aussi à trouver. Et le rôle du formateur dans un contrat de données qui est, pour nous en formation, d'aider à atteindre les objectifs de la formation, et c'est important de se replacer là. Si on intervient sur la représentation des gens, c'est pas pour... c'est pas faire la dictature d'une représentation, c'est au regard de la motivation de la personne et de son but de devenir tel ou tel professionnel, de lui indiquer que cette représentation-là, elle n'est pas très adaptée au monde et aux attendus de ce professionnel. Et c'est en conséquence qu'on se permet de lui dire et de l'inviter à travailler tel ou tel point. On est bien dans ce réglage-là, c'est un réglage important, puisque ça touche à notre déontologie, à notre éthique. C'est pas parce que
on préfère telle représentation telle autre. C'est parce que dans le monde professionnel auquel on prépare la personne, on pense que ça, c'est plus ou moins adapté et qu'il y a un enjeu de progression et d'adaptation globale de la personne. Et du coup, l'un des enjeux, c'est les écarts entre ce qu'est la description qu'on peut avoir de la personne à un moment donné et puis l'attendu professionnel en finale. Donc en fait, les accompagnateurs que j'ai observés ont en général une figure type de l'accompagné ou de l'apprenant. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine représentation de là où doit arriver la personne en fin de formation. Et il m'a été possible de décrire les buts, les ressources, etc., de la personne en fin de formation. Et donc, inconsciemment ou inconsciemment, chaque formateur compare à un moment donné son accompagné à un idéal de personne en fin de formation ou de professionnel en début d'activité et va chercher des points importants d'écart qu'il va traiter. Donc c'est important de disposer de cette figure de l'accompagné type. Et oui, je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Alors cette figure, si on suit le modèle que je vous propose, elle peut se décrire à travers ces différentes composantes et où aller sur telle ou telle composante en fonction des points qui vous paraissent importants. Il y a un deuxième élément, c'est que comme on est tributaire du temps, on est aussi à piloter le temps et à gérer le temps. Et donc cette disposition, c'est aussi quelle est la progression en fonction du temps, quelles sont les étapes clés auxquelles on attend la personne et qu'est-ce qu'elle doit avoir acquis à quel moment pour être dans le bon timing et arriver au but. Donc c'est important aussi de disposer de ces éléments. Je me souviens avoir été invité dans une école d'ingénieurs qui démarrait des formations par apprentissage et qui m'avait demandé d'intervenir sur l'accompagnement. Et avec la directrice des études, quand on a préparé les choses et puis dans les premiers contacts avec les enseignants, en fait, il démarrait la formation par alternance, par apprentissage. Il voulait se former à l'entretien d'accompagnement, mais il ne connaissait pas leur dispositif et il ne savait pas quelle était la maquette pédagogique et les étapes par lesquelles les gens allaient passer. Et donc, on n'a pas travaillé l'entretien d'accompagnement. On a travaillé sur qu'est-ce qu'on attend de la personne à tel moment et comment elle doit évoluer. Et c'est ça, après, qu'on va accompagner. Et si on n'a pas défini ces éléments-là, c'est que c'est compliqué de partir d'un accompagnement virtuel, enfin, fictif. Alors, ça c'est un peu, c'est un schéma, on va pas reprendre forcément toutes les cases, mais ça représente les étapes clés du développement de nos ingénieurs à travers, tels que se représentent les formateurs, à travers le développement de leur projet professionnel. Puisque, je vous ai dit, on centre beaucoup de choses sur le projet professionnel, et finalement c'est le projet professionnel qui devient la clé de l'apprentissage, puisque c'est au regard du projet professionnel qu'on va essayer d'apprendre et qu'on va essayer de se mettre en stage en différentes situations. Et donc, il y a une première partie qui est autour du bilan. Par rapport au bilan, après, ça va être d'établir, d'identifier les écarts entre le bilan et définir la cible, identifier les écarts, bâtir un plan d'action, se mettre en situation nouvelle, et puis évaluer ses résultats et on reboucle après pour faire évoluer. Mais donc on a quelques temps, mais typiquement les formateurs sont aussi dans les entretiens en arrière-plan, ils se disent où est-ce qu'il en est de son plan de son projet professionnel, est-ce qu'il est déjà à peu près clair sur un bilan, est-ce qu'il est déjà à peu près clair sur une cible ou pas, est-ce qu'il a mis en place un plan d'action, est-ce que son plan d'action est cohérent avec la cible. S'il dit qu'il va être ingénieur de production et qu'il fait tous ses stages ailleurs qu'en production, ça pose question et donc il y a quelque chose probablement à retravailler. Donc, ce qu'on disait, c'est le travail des accompagnateurs, il touche aux différentes composantes, il se projette par rapport à une image finale
et par rapport à une progression dans le temps de ce, comment on acquiert cette image finale, finalement, quelles sont les étapes pour aller vers cette image finale. Ça touche différentes composantes, et ces différentes composantes, elles sont aussi en interaction. Et c'est là que vient un concept de cohérence qui est souvent mis en avant par les formateurs, qui disent « là, c'est pas cohérent, là, c'est cohérent ». Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette cohérence? C'était une des questions aussi des entretiens. Alors, je vous ai mis le système un peu étoffé, mais on va pas rentrer dans le détail. Si ça vous intéresse, vous aurez loisir à regarder ce détail. Mais la cohérence, c'est donc l'interaction entre tous ces éléments. Hein, c'est comment on se conjugue et comment ça se joue. Je pense que c'est un des éléments aussi complexes du numérique, c'est finalement comment l'accompagnateur peut capter la cohérence de ce qui se passe. À travers quoi, quelles sont les informations qui vous permettent de voir s'il y a une certaine cohérence, alors surtout pour les formations longues, je pense, une certaine cohérence dans tout ce qui se met en place entre le dispositif, la posture de l'apprenant et puis ce que vous percevez. Alors la cohérence... Quand on fait parler les accompagnateurs, qu'on essaie de regarder comment ils ont agi, on peut en dégager quelques caractéristiques qui sont que les intentions sont clairement identifiées. Enfin, il y a cohérence si les intentions sont clairement identifiées, si c'est unifié et hiérarchisé autour de motivations profondes. Les composantes du système que l'on a vu permettent la réalisation des motivations profondes, si c'est adapté les unes aux autres, si elles sont reliées par des liens logiques. Et puis si tout cet ensemble, ça permet de prévoir une réussite en finale. Hein, c'est, finalement, est-ce que les conditions sont requises pour que ça avance et que ça atteigne le but? Est-ce que ça va bien dans le bon sens? Ou est-ce que ça va pas... Ou est-ce qu'il y a des voyants qui se mettent au rouge parce que ça c'est déséquilibré, ça donne pas confiance au résultat final. Hein, donc l'état futur du système peut se déduire dans une continuité avec son état actuel. Et puis s'il est possible d'expliquer l'état présent du système, en particulier en s'appuyant sur une continuité, bon, c'est les mêmes. Et globalement, c'est est-ce que le système paraît adapté à son environnement? Est-ce qu'on a un pronostic plutôt favorable sur ce qui va se passer? Ou est-ce qu'il y a des voyants qui se mettent au rouge parce que les interactions sont déséquilibrées, les représentations ne sont pas en cohérence avec je pense à des gens qui sont très, très volontaires et qui vont persévérer, on voit qu'ils peuvent avoir un but très affiché, très engagé, une certaine représentation qui peut être valable, mais l'énergie déployée, le ressenti n'est peut-être pas cohérent avec le but visé, les ressources peuvent manquer. On est sur des niveaux d'équilibre et d'appréciation qui dépendent de chaque accompagnateur. Autant on peut dégager ceux qu'ils observent et comment ceux sur quoi ils agissent, autant après, c'est justement le professionnalisme et l'expérience de chacun qui positionne des curseurs et des outils d'aide. Ce qu'il faut voir, c'est que cette cohérence, elle est évolutive, et c'est tant mieux aussi, puisque c'est bien notre rôle dans la formation que d'essayer de développer cette cohérence aussi. Et que souvent, enfin, un élément important, elle est porteuse de réconfort et de diagnostic et de satisfaction. Souvent, les gens, quand ils atteignent un certain degré de cohérence, le disent et se disent ben, « voilà, on est satisfait, ça se fait facilement, c'est plus paisible, parce que les éléments sont en phase les uns avec les autres. » Cette cohérence, on n'empêche pas le rêve et le réalisme, mais il faut garder la lucidité, le contact avec le réel, le contact avec les situations. Et les fondations, ça reste les motivations profondes qui sont quand même les clés de voûte de toute cette architecture. Donc faisant suite à ce diagnostic, hein, à travers la cohérence, à travers ces éléments, on a l'invitation à l'adaptation qui prend un peu en compte chez les accompagnateurs ce dilemme, est-ce qu'il faut intervenir ou pas ? Hein, et si j'interviens, à quel moment je le fais? Ça, c'est question un peu permanente de l'accompagnateur s'il a un peu de recul et aussi de conscience. Est-ce que la personne est prête? Est-ce que les éléments sont favorables? Est-ce que j'y vais? Alors, ça nécessite une situation
propice et une qualité de relation suffisante. Ça, c'est les éléments de base. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un quelque chose, un peu une invitation à changer, si on n'a pas cette relation et cette situation propice. Avec deux étapes, donc susciter la prise de conscience et puis proposer l'adaptation. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, toujours ce besoin de se référer au lien, au sens, quel sens on donne. Donc c'est le lien avec les attentes professionnelles ou du diplôme, le lien avec les motivations profondes de la personne, le besoin pour l'accompagner de maîtriser cette situation par rapport aux attentes professionnelles et d'autres bénéfices éventuels. Alors, de la même façon, et je le souligne ici aussi parce que je pense que pour le numérique c'est un élément clé aussi, c'est la notion d'engagement. C'est un souci permanent des accompagnateurs dans les entretiens, c'est quel est l'engagement de la personne, est-ce qu'elle est bien impliquée dans ce qu'elle est en train de faire, mais est-ce qu'elle est bien impliquée dans l'entretien, dans la formation, dans l'entreprise, quels sont les indicateurs qui vont permettre de déceler cet engagement et comment je vais pouvoir agir dessus. Alors c'est dans l'entretien, on a un certain contrôle direct, dans la formation en présentiel, on voit les gens, dans la formation hybride, on les voit pas, mais on a des mouchards entre guillemets qui vont nous dire c'est connecté, c'est pas connecté, mais est-ce que les temps de connexion, c'est des temps d'engagement, et jusqu'où ça nous indique l'engagement. Voilà, c'est des questions de vigilance. Donc il y a Bernet qui a défini un peu cet acte d'engagement, c'est une intention de tous les instants, une préoccupation importante et prioritaire. Donc souvent les indicateurs de cet engagement chez les formateurs, on va les retrouver autour de est-ce que la personne a rendu ses rapports à temps, est-ce qu'elle respecte bien les consignes, on recoupe avec les informations des autres enseignants, les tuteurs en entreprise, les collègues, les confrères, est-ce que vous observez la même chose, si on a un doute on recoupe, est-ce que vous avez observé la même chose ou pas. L'appropriation des attentes de l'école, la conscience du travail à réaliser après aussi. Persistance dans la mise en œuvre des plans d'action, et l'engagement c'est aussi dans la durée bien sûr. C'est la progression, l'absence de notes qui mettent en difficulté l'obtention du diplôme. Mise en place des actions correctives et aussi le côté positif, est-ce qu'ils sont heureux de célébrer, de manifester certaines réussites à un stage, à une soutenance. C'est aussi un indicateur que prennent certains accompagnateurs en disant « Oui, celui-là, il est bien impliqué dans sa formation, il est heureux d'avoir passé cette étape-là. » Bon, le traitement du manque d'engagement, je pense que ça, c'est une chose aussi classique, hein, c'est de repérer les causes, essayer d'alerter, montrer les points forts, encourager, ne pas s'apesantir sur les écarts si l'accompagnant en a pris conscience. Puis dernier volet de ces grands axes et de ces grands thèmes qui entrent en jeu dans le travail des accompagnateurs, c'est cette partie sur la gestion de la relation. C'est à la fois un prérequis et une dimension permanente aussi de l'entretien. C'est de faire en sorte un peu que le fil qui relie les deux personnes ne se rompe pas et qu'on reste en communication, qu'on puisse poursuivre les échanges, quoi qu'on ait à se dire mutuellement, mais qu'on puisse tenir ce rôle-là. Il y a des prérequis, hein, à la fois la mise en place des conditions matérielles pour les entretiens, l'écoute et le non-jugement. Avec aussi la gestion du compromis et des équilibres à trouver entre dire ce qui est à dire, établir les conditions pour que l'accompagné puisse l'entendre et puis écouter ce que l'accompagné a à dire. C'est toujours aussi un équilibre des accompagnateurs avec comme indicateur des coopérations ou résistances dans les échanges, l'ouverture, repli sur soi, la prise de parole ou le silence, le ressenti de l'accompagnateur sur le non-dit de l'accompagné, la spontanéité de l'accompagné, puis la perception des suites que donnera ou non l'accompagné à l'entretien. L'avantage d'un entretien d'Isabelle, par exemple, c'est que son franc-parler permettait de faire remonter tous les problèmes. Et que donc là, il y avait une discussion assez directe. Mais pour moi, en tant qu'observateur, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on faisait émerger vraiment tous les points durs.
L'accompagnateur s'est fait un petit peu quelquefois envoyer dans les cordes, mais bon, il a réagi aussi, et c'est intéressant de voir justement ce savoir-faire. Des éléments clés de cette gestion de la relation, c'est aussi d'être clair et transparent et de pouvoir bien communiquer sur l'intention formatrice des actes que pose le formateur, sur le besoin de jouer son rôle d'accompagnateur. Je ne serai pas dans mon rôle si je ne te dis pas ça. Et je ne fais pas ma mission et je ne remplis pas ce pourquoi tu es présent dans l'entretien si je ne te dis pas ce point-là qui va être difficile, qui va peut-être te heurter, mais qui est de mon devoir. Il est de mon devoir de te le dire. Et puis la reconnaissance du travail et des atouts de l'accompagné, des propos juste vrais et pertinents, fondés, ça c'est des éléments. Donc ça favorise l'écoute, la relation, l'objet des échanges, ça développe la conscience, ça je pense que c'est... Voilà, donc là je vous ai brossé un panorama, peut-être un peu dense, de différents paramètres, différentes choses observées, hein, qui sont des concepts clés, des enjeux clés un peu de ce qu'observe l'accompagnateur et ce qu'il en fait un peu derrière pour accompagner les gens. En tout cas, je pense qu'il y a tous ces paramètres-là qui sont en jeu dans la maîtrise d'une situation dynamique, et y compris dans une situation de formation hybride où on va être l'accompagner à se situer dans un environnement pour atteindre un certain but sans maîtriser l'ensemble des paramètres. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Des réactions aussi, des ressentis? On dit que c'est important pour contrôler aussi, moi aussi, j'ai besoin de contrôler et de voir comment agir. Madame? Alors, c'est développé, c'est une bonne question, c'est développé dans toute... Est-ce qu'il y a alternance? Non, mais c'est développé aussi en formation continue, en formation initiale, dans tous les parcours. Et je pense que ces composantes-là, pour la plupart, peuvent sans doute être transposées à beaucoup de types d'entretiens. Y compris peut-être même des entretiens, commerciaux, médicaux ou autres, où on a probablement... Des éléments de transposition, peut-être pas dans la totalité, mais ça, les clés me paraissent... En fait, ces composantes étaient utilisées dans la psychologie ergonomique sur l'étude des postes de travail et sur la relation de l'homme à la machine. J'ai transposé ça à la relation homme-homme, en fait. Ouais, de se dire en quoi et qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors on trouve dans la relation interpersonnelle des éléments supplémentaires comme la prise en compte de la relation, la prise en compte des valeurs de l'autre. Il y a des éléments qu'on ne retrouve pas avec la machine, mais on retrouve quand même le propre de comment l'homme conduit son action et sur quels sont ses paramètres de conduite d'action. Oui, madame. Est-ce que les gens ont été formés à l'accompagnement? Est-ce que c'est des profils plutôt psychologiques ou plus ingénieurs, on va dire, par rapport à nos formations, et comment ça se répartit? Les gens qui mènent les entretiens sont des ingénieurs formateurs. Globalement, on est en train de... J'hésite un peu à vous sur la façon de vous répondre parce qu'on est en train de vivre une mutation au saisie. Donc je vais vous expliquer un peu peut-être l'évolution aussi dans laquelle on est. Il y a quelques années, tous nos formateurs, typiquement, étaient plutôt des gens qui avaient exercé le métier et qui étaient intéressés par la formation, qui venaient former, et qui avaient donc une certaine antériorité dans le métier par rapport aux apprenants, et qui menaient les entretiens en référence à une expérience professionnelle, et qui était sûrement leur premier socle de... Et puis la deuxième façon, dont après la formation d'accompagnement se faisait plus par compagnonnage au sein du CESI, en étant mis en tutoré, binôme, assisté à des séances. Puis
QECD, on a aussi des dilemmes de développement formation et de temps de formateurs. Donc comment on peut équilibrer ça? Et puis un troisième paramètre qui est arrivé, qui est l'arrivée des enseignants-chercheurs. Je pense qu'on a été construit autour de la notion de métier. Si on n'avait pas de recherche au CESI, sauf un peu de recherche en pédagogie, c'est aussi parce qu'on était sur des orientations métiers et que nos dispositifs étaient centrés métiers et on combinait des domaines autour du métier. Le développement du laboratoire de recherche nous fait acquérir des spécialités théoriques qui sont pas forcément, qui sont indépendantes du métier, qui ont un intérêt pour le métier, mais qui sont aussi indépendantes. Et donc on a recruté beaucoup de chercheurs. Les chercheurs, eux, ont peu d'expérience sur le projet professionnel et la construction du projet professionnel. Alors je parle de façon générale, mais je ne sais pas comment, je sais qu'il y a des exceptions, hein, mais pour donner une tonalité, c'est quand même un questionnement. Et en général, viennent de parcours académiques, enseignement, et ils viennent rarement de l'entreprise. Donc ils ont une faible connaissance des métiers. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un enjeu de formation à l'accompagnement, alors plus large même que l'entretien d'accompagnement, aussi à l'accompagnement des dispositifs de formation, notamment au regard du recrutement des enseignants-chercheurs, mais aussi au regard des nouveaux arrivants. Et puis on a des départs d'anciens, donc on a tout un renouvellement à faire. Pour moi, c'était l'enjeu de cette thèse, c'est de pouvoir rentrer dans les pratiques, parce qu'il y a 4-5 ans, quand j'interrogeais mes collègues, et moi-même quand j'en parlais, j'étais incapable de dire en quoi ça consiste l'accompagnement. Oui, on en fait, oui, on touche à quelque chose. J'étais incapable d'en dégager un ensemble cohérent et qui puisse servir à une formation. Sur les bases que je vous ai présentées, sont en train de se monter certaines formations, et je vais essayer aussi de développer des éléments autour de ça, avec l'intérêt, c'est de disposer d'un certain nombre d'une bibliothèque aussi d'entretien et de pouvoir sortir des cas concrets, de faire des jeux de rôle, des simulations et autres qui vont pouvoir mettre de la ligne. Donc, et on n'est pas basculé dans tout ça, on n'a pas basculé nécessairement sur le recrutement de psychologues pour aller sur la vision extrême. Et je pense pas que ce soit comme on est sur les gens qui font l'accompagnement souvent le font à peut-être 20% ou 30% de leur activité. Donc en fait on n'est pas aujourd'hui dans cette question, quoique les problématiques de formation et ces problématiques d'adéquation, des gens posent la question de est-ce qu'un enseignant-chercheur doit faire de l'accompagnement, ou est-ce qu'on l'exclut de ce champ-là et à la place il reste dans son temps de recherche. Et puis à l'inverse, les ingénieurs sont plutôt missionnés vers l'accompagnement. Donc ça, c'est des questions qui se posent. On a tendance à dire que dans notre culture globale du métier, on a besoin que les enseignants-chercheurs aient aussi des références métiers pour se situer dans la culture générale que l'on veut avoir. Mais vous voyez, bon, ce sont nos questionnements, nos équilibres aussi à trouver dans des phases de mutation où nous aussi on bouge et on s'adapte. Ça répond à vos questions? D'autres questions? Oui, monsieur. Ouais. En moyenne, sur un parcours type de formation que vous pouvez aussi dispenser, je voulais savoir le temps de l'accompagnement dans l'année, enfin sur les 900 heures ou 700 heures, quel temps vous consacrez à l'accompagnement envers un apprenant? Alors, quel temps on consacre à l'accompagnement envers un apprenant? Il y a plusieurs réponses, parce que l'accompagnement, on le fait déjà en définissant un pilote de promotion qui va intervenir qui va être la relation vis-à-vis du groupe et qui va avoir un certain accompagnement collectif du groupe. Ça dépend où on place la barre de l'accompagnement. Non, c'est l'accompagnement individuel. Voilà, l'accompagnement individuel. Alors, l'accompagnement individuel, il se fait typiquement, on a un entretien par semestre. Entretien avec une alternance, entretien individuel plus tuteur, entreprise une fois, 6 mois après, entretien individuel sans tuteur, et on essaie d'alterner comme ça. Donc en fait, par an, 2 entretiens individuels.
enfin individuel, si on considère que l'entretien avec le tuteur est un entretien individuel. Mais c'est quand même un rendez-vous, voilà, en entreprise avec le tuteur pour faire le point sur le parcours de l'apprenant. Avec, là aussi, des tensions sur l'agenda des formateurs, hein, pour arriver à dégager le temps, hein, parce que, voilà, c'est toujours en questionnement avec les contraintes de temps, d'économique et autres. Mais on est sur ces maquettes-là. En tension sur ces maquettes. Et pour une formation d'une durée à peu près de combien d'heures? Parce que vous êtes en alternance, donc... Alors, ça a tellement bougé la formation d'ingénieur, je peux peut-être dire une bêtise, je crois que c'est de l'ordre de ces 1800 heures, je crois. Mais alors après, on a différents dispositifs avec des... qui peuvent aller, mais typiquement, enfin, ce que j'ai observé, c'était sur 3 ans avec 2 entretiens par an. D'autres questions? C'est bon? Je vous propose qu'on fasse un zoom sur la plateforme web Via Saisy et quelques enseignements que j'en ai tiré. Donc, le but, c'était d'accompagner le projet professionnel des apprenants et des alumni tout au long de la vie à travers une plateforme web qui permette de décrire et de renseigner la démarche de construction du projet professionnel. J'ai été donc le chef de projet de cette plateforme qui a été déployée à travers le Saisy. Alors, les fonctions qu'avait cette plateforme, c'est à la fois un outil de bilan, parcours et de formation, un portefeuille de compétences, qualité personnelle. Donc là, on est sur l'aspect bilan. Et donc, on a mis sur pied des écrans qui décrivaient et qui permettaient de positionner soit en interactif, soit en déclaratif, le parcours de formation, parcours de formation, c'était en déclaratif à travers des rubriques préétablies. Les compétences, portefeuille de compétences professionnelles, c'était des rubriques préétablies du type le titre de la compétence, sous la forme être capable de, un niveau de maîtrise que considérera la personne, et puis des éléments de contexte pour qualifier cette expérience. Possibilité de joindre des pièces de preuves, hein, puisque dans l'idée, c'est que derrière, on pouvait aussi éditer ces éléments-là pour préparer un parcours VAE. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait la démarche, si on l'enrichit, on est prêt à tout moment de la vie à faire valoir son parcours. Une étape plus projet avec des rubriques journal du projet, ce qui se faisait, les motivations, le métier visé, la cible professionnelle et le plan d'action. Donc ça, le métier visé, cible professionnelle, c'était à travers aussi des descriptions de compétences, de caractéristiques, d'attendus professionnels qui étaient dans des rubriques. En fait, tout le système globalement était un grand réceptacle avec des questions et des mises en forme aidantes sur les grandes thématiques. On s'est refusé à faire du positionnement automatique. On a voulu que les gens restent maîtres de leur projet et que ce soit eux qui aillent chercher les informations. On n'a pas voulu faire un automatisme de dire vous avez telle compétence, donc vous devez vous orienter vers tel métier. On s'est refusé à ça. Bon, ça tient aussi au niveau peut-être des gens que l'on prépare, hein, qui ont sur des publics d'autres niveaux, peut-être qu'on aurait positionné différemment le curseur, mais en tout cas là c'est important. Éditeur de CV, Webfolio, outil d'organisation pour les démarches de recherche d'emploi, et puis un réseau connecté aussi avec l'annuaire et les blogs communautaires, et puis des ressources personnelles collectives alors. Ce que je vous propose à travers cette plateforme, elle a été lancée, ça devait être en 2006-2007 l'idée. Elle a été ouverte en 2009. Elle a été transversale au Saisy, donc on propose à peu près tous les dispositifs de formation.
Et elle a été fermée il y a un an. Donc elle n'a pas été tout au long de la vie. Elle a donc rencontré quelques difficultés aussi. Et donc je vous propose de partager un peu le regard que j'ai avec la perspective un peu qu'on a évoquée de formation hybride. Bon, l'un des éléments importants, c'est l'engagement de la direction. C'est à la fois la direction qui a porté le projet au départ, c'est à la fois peut-être la direction qui était un peu moins présente sur le projet par la suite. C'est un des paramètres. Et ils ont aussi des raisons et leurs arbitrages. C'est pas c'est pas une justification ou une critique, c'est d'essayer de dire factuellement quels sont les paramètres qui interviennent dans ces éléments-là. L'infrastructure technique est un élément clé, avec la disponibilité des postes, l'accès aux postes, les débits réseau, les modalités d'identification. Moi, dans le lancement du projet, j'ai eu beaucoup de mal avec ces aspects-là, puisque d'un établissement du CESI à l'autre, on n'avait pas du tout les mêmes débits, pas les mêmes accès, puis on avait plein de systèmes, donc on avait 36 clés d'identification à proposer aux enseignants et à proposer aux apprenants. Et voilà, on a galéré sur ces aspects-là, et c'est un gros frein. C'est un frein majeur au succès. Autant la plateforme par elle-même, je pense, a fait l'unanimité, autant les conditions d'accès et l'infrastructure est un élément déterminant. Les moyens dédiés, alors la qualité de la plateforme en tant que telle, je l'ai évoqué, les moyens dédiés, notre webmaster a été pris par d'autres projets, il était un peu moins présent, donc quand il y avait un problème, un peu moins de réponses, et c'est aussi des éléments clés qui concourent à l'ensemble. Alors ce qui m'a frappé, c'était la maîtrise informatique en général de la plateforme par les enseignants. La plateforme pouvait être utilisée en présentiel, au sens où on faisait un travail sur les compétences, accès à la plateforme, et puis travail en interaction, ou démonstration par l'enseignant de fonctionnalité de la période de la plateforme pour que les apprenants puissent intervenir dessus. Et là, j'ai été surpris parce que c'était quand même très basique au niveau informatique, et il y a beaucoup d'enseignants qui ont freiné parce qu'ils craignaient de ne pas avoir la maîtrise informatique suffisante pour répondre aux questions des apprenants. Et ça, ça a vraiment été un facteur bloquant. Se dire, moi je vais devant un amphi, je vais devant un groupe, s'ils me posent une question et que je ne sais pas répondre, de quoi je vais avoir l'air, et je ne me sens pas à un niveau informatique, au même niveau informatique que mes apprenants, donc j'y vais plutôt avec un frein dès le départ. Alors que techniquement, si l'infrastructure fonctionne, je veux dire, derrière, il n'y a pas d'enjeu majeur, je pense, en termes de complexité informatique. Mais concrètement, c'est une réalité de terrain qui était à prendre en compte. Donc, besoin de formation, on a fait des formations, mais ce n'est pas forcément complètement suffisant. Est-ce qu'on a connaissance suffisante des enseignants de la démarche? Je vous ai présenté la démarche de construction du projet professionnel. Certains enseignants ne maîtrisaient pas vraiment cette démarche et ne se sont pas saisis de l'outil parce qu'ils ne maîtrisaient pas la démarche. Et là, on est passé à côté de quelque chose d'important parce qu'en fait, justement, la plateforme pouvait être aussi structurante pour former les enseignants. Et elle a porté, ça pouvait être un outil de formation et de transfert des compétences. Enfin, elle a été conçue aussi comme un outil de transfert des compétences de ceux qui maîtrisaient ce parcours projet professionnel pour que des gens qui le maîtrisaient moins puissent vite s'en servir. C'est vrai pour les apprenants, mais ça pouvait être vrai aussi pour les enseignants nouveaux. Seulement, faute de temps à y consacrer, finalement, les gens ont préféré se satisfaire des moyens dont ils disposaient et pas investir dans ce nouveau moyen. C'est un des enjeux clés. La maîtrise technique de la plateforme par les apprenants, comprendre les tâches, la façon d'exécuter, les temporalités, risques, évaluation, ce qui est attendu, bon, ça c'est de la maîtrise des apprenants. J'avais refusé qu'on fasse un dispositif par étapes qui bloquante, et je voulais qu'on puisse rentrer un peu dans toutes les étapes, parce qu'un projet professionnel, à un moment donné, on a une information sur la cible, à un moment donné, on retourne au bilan, après on retourne au CV, et puis on... Voilà. Donc du coup, c'était assez ouvert, assez large.
ça ne convenait pas à certaines personnes qui avaient besoin d'être plus guidées. Et donc, suivant les profils de personnes, suivant les niveaux de maturité sur une question, on était au moment où on a évoqué à un moment donné l'idée d'avoir une démarche plus guidante et plus structurante pour certaines personnes qui avaient besoin de ces clés. L'élément toujours important, c'est de donner du sens, savoir à quoi ça sert, comment être transparent sur les buts, façon de l'utiliser. Ce qui est important aussi, c'est d'identifier les points de blocage et les points clés. Alors, l'un des points complexes, c'est de rédiger ses compétences. Je pense que tous les formateurs qui ont essayé de rédiger leurs propres compétences ou qui se sont essayés à référencer de compétences ont mesuré un peu la difficulté quand on est dans le métier. Alors, quand quelqu'un qui n'est pas du métier, mais qui n'a pas tout le vocabulaire et les mots pour décrire ça, s'attache à cette tâche, ça, quelquefois, c'est vraiment compliqué. Et donc, c'était quelque chose que l'on préconisait de lancer, d'initier en présentiel, et avec un travail d'accompagnement sur des petites séquences, avant de laisser les apprenants rentrer sur la plateforme sur ces sujets-là. Donc, c'est l'idée de ces points de difficulté qui nécessitent plutôt du présentiel ou qui nécessitent de travailler la modalité pour la rendre plus accessible à distance. On aurait peut-être pu investir du temps, des tutoriels et d'autres solutions pour le maintenir à distance. C'est-à-dire, là, il y a une difficulté. C'est de ne pas nier la difficulté, mais c'est de l'affronter et de trouver comment on la lève. Un élément clé, c'est aussi d'évaluer les apprentissages à l'issue de cette démarche. Qu'est-ce qu'on fait on a été sur une plateforme. Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on évalue? Alors, nous, on n'évaluait pas le projet professionnel, mais l'acquisition d'une démarche de construction du projet professionnel. On n'a rien à dire aux personnes sur le fait qu'elles veulent faire ça, ça, ou même faire autre chose que ce à quoi la formation les a préparées. Mais est-ce qu'elles sont capables de poser un bilan, de poser une cible, des écarts et un plan d'acquisition de compétences? Ça, c'était ce qu'on en attendait. Puis il faut reconnaître que certains profils ont du mal aussi à rentrer dans les formats informatiques. Les cases d'un écran, quelquefois, c'est, je veux dire, physiologiquement quasiment rédhibitoire pour certaines personnes. Et donc c'est aussi de prendre en compte cette difficulté qu'ont certaines personnes à se trouver face à des cases, face à des écrans et des choses moins relationnelles. Et donc, comment on les accompagne? Ces personnes risquent d'être en souffrance hein, dans le monde dans lequel on est en train d'évoluer. Donc c'est comment on peut les aider à prendre possession de ces outils et les intégrer. Mais c'est quand même aussi, je pense, une réalité qu'il ne faut pas nier. Et puis reste toujours aussi une difficulté parallèle sur le métier d'accompagnateur, c'est d'en évaluer les apports et la qualité de l'accompagnement. C'est toujours aussi quelque chose qui souvent se fait un peu soit à la marge, soit dans la discrétion de l'entretien, et du coup on n'a pas forcément toujours la valorisation aussi de ce qui est de cette pratique et ni l'évaluation de sa performance. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette plateforme et sur le retour d'expérience que je peux vous en procurer. C'est bon ? On a complètement abandonné l'affaire. Oui, et ça fait partie un peu des difficultés du passage un peu à vide dans nos systèmes. En fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a eu notre énergie qui a été, enfin, ma façon de le voir après, on a eu notre énergie qui a été très prise dans la bascule d'une formation complète de 3 ans en pédagogie par projet. On a été pris par l'intégration d'enseignants-chercheurs. Et des fondamentaux un peu comme l'accompagnement du projet professionnel sont restés un peu en arrière-plan des préoccupations immédiates. Et aujourd'hui, on se dit, il faut qu'on réinvestisse ce champ-là, parce qu'on l'a laissé un peu filer. Donc on est en train de remonter des formations. La plateforme, elle fait partie
de ces enjeux, c'est un moyen qui est transversal à toutes nos formations et du coup qui n'est pas forcément porté par une formation particulière. Et elle est un peu dans l'angle mort des porteurs de projets, donc voilà, ça fait partie un peu de notre contexte. Mais oui, peut-être qu'on reviendra à ça. Peut-être aussi qu'il y a une ou deux personnes qui changent et puis que les visions changent pour que ça puisse revenir. Ce qui est clair, c'est que c'est des types de plateformes, ça se développe et qu'il y en a de plus en plus dans beaucoup d'endroits. Ce qui est un peu dommage pour le CESI, c'est d'avoir été précurseur et de prendre un peu de retard là-dessus. Mais bon, voilà, ça fait partie des histoires des organisations. D'autres questions ? Alors ce que je vous propose, c'est en reprenant peut-être le modèle que je vous ai proposé, que je vous ai présenté, de se dire finalement comment ça questionne aussi les formations hybrides ou quels sont les besoins auxquels il faut qu'on réponde pour que ça fonctionne. Et le point clé aussi au départ, c'est quand même de se dire aider l'accompagné à atteindre ses objectifs. Enfin, qu'est-ce que c'est que les finalités de l'accompagnement ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Une définition un peu générale qui dit c'est d'aider l'accompagné à atteindre ses objectifs dans le cadre du contrat d'accompagnement et de la formation dans lequel il est intégré. Et puis on est dans une logique, je pense, en termes déontologiques aussi, de développer l'autonomie des personnes, de les aider à s'approprier des techniques, des outils, des situations, et être capable de les gérer par elles-mêmes. Il y a un constat aussi, c'est que souvent, on sollicite l'accompagnement là où le dispositif touche à ses limites. Quand l'organisation sait dire ce qu'il faut faire, on ne demande pas d'accompagnement. Si on sait le modéliser à la limite même en numérique, on ne va pas demander d'accompagnement. Mais l'accompagnement, c'est là où le dispositif va commencer à manquer de comment, va plus pouvoir aider l'accompagné et où le risque va augmenter. Où il risque de se perdre, où il risque d'aller dans des mauvaises directions et de ne pas atteindre l'objectif. Donc l'accompagnement, c'est souvent ce qu'on déploie là où on ne sait plus trop que déployer, où on fait qui va traiter des variables d'ajustement un peu de la personne. Alors ça peut être vu négativement ou très positivement, mais c'est comment on adapte l'humain à des situations. C'est le lien entre l'humain et les situations un peu organisées, réfléchies que l'on impose, et puis comment on adapte la réalité d'une personne à ces situations et comment on essaie de faire le lien. Donc c'est important parce que c'est à la fois, on ne s'agit pas de faire à la place de l'accompagné ou de faire à la place du dispositif ce qui est bien prévu dans l'un et dans l'autre, et à l'inverse, c'est venir en complément en appoint ou de faire autrement, et c'est bien cette articulation-là qui a trou. Donc les besoins de l'accompagner, est-ce qu'un système, à mon avis, tout système, qu'il soit hybride ou pas, doit apporter, c'est une vision sur les objectifs de la formation, sur le lien avec les attendus du métier visé, et du côté des accompagnateurs, de valider que les objectifs de la formation correspondent bien aux objectifs de la personne. On est sur... On doit fournir les éléments qui vont permettre à la personne d'avoir une représentation correcte de la situation dans le déroulement de sa formation, en termes, surtout les paramètres de sa formation. Mais comment on aide et comment le dispositif aide l'apprenant à avoir une représentation correcte de son positionnement dans l'ensemble et dans ce qu'il a à faire et pouvoir anticiper ce qu'il a à faire. Les situations, bon, est-ce qu'elles sont suffisamment définies et reliées aux différentes composantes ? Est-ce que la personne peut bien agir dans ces situations avec les libertés suffisantes ? Le contrôle, c'est un élément important. Quelles sont les boucles de rétroaction nécessaires au pilotage des apprentissages ? Souvent, dans les plateformes, on a souvent un certain nombre de boucles de rétroaction, mais est-ce qu'elles sont pertinentes et est-ce qu'elles vont permettre d'anticiper suffisamment l'atteinte des objectifs ? Connaître les modalités d'évaluation et des résultats, ça c'est un élément aussi important à la fois pour se représenter et planifier l'action, et puis à la fois pour contrôler et bien comprendre le contrôle qui a été posé sur la situation dans laquelle on est.
comprendre aussi comment vit la personne cette situation, et là je pense que c'est important en termes de formation hybride et à distance, et comment ça se vit en dehors aussi du temps de présentiel, comment sont adaptés les gens dans ces situations-là, et quelle prise en compte on doit avoir, et puis valider la cohérence et l'engagement de la personne à travers ses contrôles. Bon, pour les ressources, c'est d'avoir les prérequis sur les compétences relatives au contenu, ça je pense que c'est vraiment transverse à tout. Avoir les compétences pour la maîtrise de l'outil de la plateforme et puis trouver les ajustements si le profil de personnalité est en délicatesse avec les solutions numériques. C'est une attention aussi aux personnes un peu peut-être plus en difficulté avec ça. Sur les pilotages cognitifs, c'est l'idée du contrat de formation, du contrat de performance. Est-ce que, alors, sur des solutions peut-être nouvelles, c'est peut-être compliqué pour la personne de se projeter sur quel niveau de performance, quel niveau d'engagement de temps je vais avoir. Il y a peut-être une aide, une interaction à faire de ce côté-là pour justement fiabiliser, apprendre à connaître ces dispositifs et se positionner dedans. Gestion des risques, identifier les risques, disposer d'alerte, et puis pouvoir traiter les erreurs, ça ce sont des éléments clés aussi. Alors l'avantage des formations à distance, c'est qu'en général, on peut se tromper, on peut répéter, ça peut donner libre cours aussi à des essais que l'on ne ferait pas en présentiel devant un évaluateur. Donc ça a ses avantages aussi sur ce point-là, mais c'est important de pouvoir traiter des... Enfin, à la fois s'essayer, avoir des erreurs, essayer de les corriger, avoir les traiter. Et puis, au cœur de tout ça, il y a de diagnostiquer, il y a la vision globale. Il y a la vision des différentes étapes, et puis comment on relie tout ça, et comment à travers votre dispositif, vous avez une vision de la personne dans son global, dans sa dynamique, dans son évolution, dans sa cohérence. Ça, je pense que ce sont des éléments importants aussi à trouver. Aussi bien que, j'ai pas eu à piloter directement des formations à distance, enfin, c'était juste au début sur un passage. On était plus on avait pris l'option que tout ce qui était outils était plutôt dans la formation à distance, les connaissances de base. Mais ça demande aussi avoir un temps de faire connaissance et puis des moyens d'information. Ça demande d'avoir des objectifs clairs, connus de l'apprenant, la planification dont on a parlé, progression pédagogique type de l'apprenant connu des enseignants. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de se dire quelles sont les balises de la progression à travers le dispositif, à quel moment ils doivent en être à peu près à telle et telle évolution. Je pense que d'autant plus à distance, il est important de définir les règles d'accompagnement. Qu'est-ce qui est fait des informations, quand est-ce qu'on les traite, quand est-ce qu'on répond à un chat ou autre. Est-ce qu'on répond tout de suite à un chat ou est-ce qu'on ça sera tous les jours ou tous les deux jours. Enfin, que ce soit clair et que la personne ne se sente pas abandonnée parce qu'elle n'a pas de réponse, mais que ça rentre dans un cadre. Et à l'inverse, derrière, une fois que le cadre est posé, c'est la rigueur pour le tenir. D'autant que souvent dans les formations à distance, comme on n'a pas ce contact, cette rigueur est un peu le signe de l'intérêt qu'on porte aux personnes. Hein, c'est un élément clé de la relation, de la dimension relationnelle. Fournir à l'apprenant des indicateurs sur sa progression, et puis discipline de l'enseignant pour suivre ces indicateurs, notamment d'engagement et de progression. Ça, c'est en dehors de la relation directe, c'est est-ce que vous allez voir les tableaux de marche, est-ce que vous allez voir si les bonnes ressources ont été activées au bon moment et comment se déroule la dynamique à la fois du groupe et puis des individus. Et nous, on avait plutôt tendance à cibler les connaissances théoriques. Bon, évaluer mon état. Là, j'en présentiel, donc on a vérifié les acquisitions de connaissances à distance, traité les questions, mettre en situation d'application avec davantage de complexité. On est plutôt là dans les activités de synthèse, des activités qui confrontent à la réalité. Alors j'ai bien entendu que vous avez aussi des casques de réalité virtuelle, donc vous avez déplacé un peu les limites et pouvoir faire des mises en situation plus proches, sûrement à distance aussi. Ça peut aussi se faire en atelier présentiel, enfin bon, ça peut se combiner de différentes façons. On
on est beaucoup attaché nos côtés saisis aux postures professionnelles, parce qu'on considère dans les métiers, souvent il y a des façons de se positionner par rapport aux situations, il y a des façons de prendre les problèmes, de prendre les relations, et que c'est important, c'est souvent quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'implicite professionnel, et qu'il est important de préparer les gens à ces dimensions-là, et que c'est un des... Je pense que ça fait partie du travail un peu de promotion sociale aussi que l'on fait. C'est de pouvoir aider les personnes à rentrer dans des postures cadres. Et comment on accompagne les gens qui ont... comment on accompagne les personnes à prendre des responsabilités. Et qu'est-ce que c'est que prendre des responsabilités? Qu'est-ce que c'est qu'un responsable? Ça, c'est un des gros chantiers que l'on a en transversal et que l'on mène dans les entretiens par rapport à nos métiers. Qu'est-ce que ça sous-entend et sur quoi on travaille? C'est aussi un des axes que l'on va prendre un peu dans nos recherches, de voir comment on outille et comment on aide ces évolutions de posture professionnelle. Bon, évaluer le dispositif global, écouter les ressentis, oui. C'est important aussi d'avoir ces retours. J'entends que vous étiez dans des démarches qualité, c'est des éléments aussi importants en-delà des contenus. Comment se positionne le dispositif globalement, comment se positionnent les gens dedans. Puis dans les deux, fournir de la reconnaissance aux personnes, la rigueur dans les engagements pris, écoute des difficultés, adapter, proposer un pas en avant, donner du sens, c'est des éléments qu'on va retrouver dans le bail. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? On arrête là, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse le dernier volet, qui est plus une réflexion un peu... dernier volet, parce que j'ai repris quelques transparents qui avaient été... que j'ai présentés dans le cadre du Forum français des formations ouvertes à distance, où dans le thème était l'automatisation de l'accompagnement jusqu'où. Donc en fait, c'est jusqu'où, hein, on parle d'intelligence artificielle, on parle de... À la limite, si on se dit on accompagne, est-ce qu'on peut accompagner? Est-ce qu'on peut faire du tout automatique ou pas, hein? Où est le curseur et qu'est-ce qui serait le propre de l'homme qu'on ne peut pas accompagner ou qu'il ne faudrait pas accompagner? Parce que je dirais, ça reste un enjeu de société à débattre. Hein, mais voilà. Alors, donc je vous propose une réflexion sur le sujet. Je ne dis pas que c'est là qu'il faut mettre le curseur, mais c'est moi, là où moi j'aurais tendance à le mettre. Et... par rapport à notre sujet, c'est de voir aussi un peu quelle est la bascule extrême, hein, entre les formations hybrides, les formations totalement automatisées, jusqu'où on va. On pourrait se dire peut-être que ça, c'est un peu le curseur, la butée extrême, au moins de vigilance que je vous propose, hein, sur laquelle je vous alerte. Et entre ça et puis, voilà, il y a toute une plage de mettre les curseurs à la fois des dispositifs et puis de nos interventions individuelles. Alors, si on, la ligne de démarcation, c'est que l'automate, lui, produit des associations d'informations relatives à l'humain. C'est-à-dire que les automates, ils vont prélever dans tous les parcours des informations. Ça avait été présenté dans différents ateliers et interventions lors de ce forum. On a un certain nombre de dispositifs qui prélèvent de l'information et puis qui vont associer ces informations. Et puis, par exemple, à partir des parcours professionnels dans de diplômés qui vont dire en fonction de telle et telle caractéristique, on va plutôt proposer tel et tel poste en automatique à telle et telle personne parce que ça me convient. Puis on associe de l'information. Alors, quelle différence entre un automate et puis un accompagnateur? C'est que l'accompagnateur, lui, vit l'expérience humaine. Il est lui-même un humain qui a eu lui aussi à apprendre, à traiter des situations, à gérer du risque, à gérer des erreurs. Et donc on est dans une expérience corporelle commune, on partage cette réalité-là, on a une certaine conscience, on a des désirs, des émotions, des sentiments. Il y a un auteur qui a développé notamment ces éléments, enfin, dans beaucoup d'auteurs, mais... Paul Diehl, dans sa psychologie de la motivation, présente un certain nombre de choses. On est aussi dans une logique de temps compté. On partage cette réalité-là. La machine, elle est intemporelle, on va dire, même si elle a peut-être quelque part
dans son processeur une horloge. On n'est pas sur, sur cette échelle-là. On est inscrit dans une trajectoire de vie. On est à un moment de notre vie, à une étape, à la fois en tant qu'accompagnateur et en tant qu'accompagné. On est chacun des... C'est un croisement de trajectoires. Et puis on construit notre identité, on doit l'animer. Référence à Mucchieri qui a écrit aussi sur ces sentiments d'identité. On a une vie sociale, on est en interrelation avec d'autres. On a des besoins, les besoins fondamentaux des motivations, on voit les théories de Sierra Leone, comme les besoins d'autonomie, de compétences, de relations et de sens. Quand on voit besoin de compétences, si les intelligences artificielles nous proposent toutes les solutions, elles deviennent plus compétentes que nous. Donc où est la compétence et où est la réalité de l'homme? Est-ce que vraiment elles sont plus compétentes ou pas? Mais il y a un enjeu autour de ces éléments de motivation et de place de l'humain. Des besoins de reconnaissance. Alors l'Université de Laval a pas mal travaillé sur ces besoins de reconnaissance. Alors ça c'est la réalité humaine, une description d'éléments importants de la réalité humaine. Si on regarde les besoins de l'accompagné, quand est-ce qu'il peut avoir besoin d'un humain? À quel moment finalement on est content de rencontrer un autre humain pour nous aider et pour nous guider? On est content quand il y a quelqu'un qui nous dit qu'on est important, qu'on a de la valeur. On a besoin de toi, on a besoin de moi. Ok, donc là ça donne un certain rôle, une certaine existence. On est content qu'on a quelqu'un qui prend en compte notre réalité et particulièrement notre fragilité quand on est dans des situations délicates, quand on est face à nos limites, à la fragilité. C'est important d'avoir quelqu'un qui nous dise « Oui, je te comprends, j'ai peut-être partagé des galères aussi, j'ai peut-être... en tout cas, j'entends les difficultés que tu éprouves et je partage cette expérience de difficulté et je peux te guider. Je suis prêt à faire un bout de chemin avec toi sur ce sujet. » On est content aussi d'avoir, par rapport à ça, des gens qui prennent du temps, qui ont l'écoute d'une certaine compassion. Ce qui anime la personne, ses réussites, ses joies, ce avec quoi elle lutte, sa souffrance éventuelle, partager une histoire de vie. Il y a aussi une quête de motivation profonde à exprimer dans sa vie. On est content quand on peut partager ou aider aussi à exprimer cette motivation. Je repense à la fragilité humaine. Je me faisais réflexion en venant ce matin. J'avais un tout petit cas concret mais qui illustrait ça. Pour venir ici, Madame Desjaux m'a préparé un petit plan avec les éléments clés du chemin. Et je me disais, entre avoir mon logiciel GPS qui me donne le trajet, où j'ai toujours le nez sur le pas suivant et que je regarde si je suis bien, et je suis guidé par la machine, et avoir quelques points clés qui me donnent de l'autonomie parce que je sais que c'est ça et ça les références, et savoir que quelqu'un les a préparés pour que je ne me trompe pas, je ne suis pas du tout dans la même situation, la même configuration psychologique, sociale et autre. Et donc c'est important de bien repérer, je dirais, cet enjeu humain de relation, et puis cet enjeu d'apport des outils qui sont fabuleux. Mon propos n'est pas de minimiser tout l'apport des techniques, tout ce que ça nous a pourrait faire, mais c'est comment on se positionne et qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir bien le gérer. Le travail sur l'adaptation de la personne, particulièrement ses limites, le travail de deuil, ou sur le découragement, les pertes d'engagement, les erreurs, échecs, les aléas de parcours, la maladie, difficultés sociales, les grands remaniements des désirs, des représentations. Je pense dans l'accompagnement des projets professionnels, ça c'est un élément clé, à la fois les échecs dans les entreprises, les gens qui s'aperçoivent qu'ils sont dans une formation, que finalement c'était pas ce qu'ils imaginaient, qu'ils veulent repartir ailleurs, ou à l'inverse, ils ont le sentiment que c'est pas ce qu'ils imaginaient, mais de fait ça leur correspond quand même bien. Mais il y a tout un tas de choses. Je pense que vous avez tous vécu un tas de péripéties et d'événements à travers les personnes que vous écoutez dans les formations.
Et c'est souvent là, dans ces instants-là aussi, qu'on apprécie d'avoir l'écoute d'un être humain, et ce serait sûrement pas la même chose à traiter devant un écran et à dire « je suis malade, je vais arrêter ». Si on rentre dans un ordinateur, c'est quand même pas pareil que si on va voir quelqu'un et on a une discussion sur le sujet. Voilà, et puis les besoins de reconnaissance avec l'Université Laval qui précise quelques besoins de reconnaissance au travail, les reconnaissances existentielles, la pratique du travail, la façon dont on pratique le travail, l'investissement qu'on a dans le travail, et puis les résultats que l'on obtient, qui sont les quatre grands leviers un peu de reconnaissance dans le travail. Selon... ça je voulais déjà. Oui, moi j'ai fait marche arrière. Voilà, et puis on a aussi besoin d'un humain comme garant et lien social. C'est important quand j'imagine que vous avez un apprenti, un stagiaire, un apprenant, que ce soit dans un CAP ou un BTS, quand vous lui dites là, fais-moi confiance, ça va t'amener au diplôme, ça va t'amener à ce que les professionnels te reconnaissent et que tu auras un boulot parce que ton potentiel, ton travail va être reconnu. Ce lien, en fait, l'accompagnateur là, fait le lien entre le monde professionnel et puis quelqu'un qui veut rentrer dans un certain métier. Et on a besoin d'une tierce personne, d'un garant, que l'effort que je vais faire va être vraiment bénéfique. Un partage dans la prise de risque. Je comprends les enjeux, je comprends les peurs. Moi aussi, j'ai des enjeux, moi aussi, j'ai eu des peurs à gérer. Mais je maintiens le cap, je t'invite à avancer comme ça. Et un lien de confiance en relation avec le chemin à faire. Et puis, donc, le lien social, on l'a évoqué. L'accompagnateur donne quelque chose aussi de précieux, c'est du temps. C'est une attention, et ça contribue à tout ce qui est reconnaissance, à ce qui est place de la personne dans la société et lien entre la société et la personne. C'est, il y a quelqu'un dans la société qui prend du temps, alors qu'il soit payé ou pas, la façon qu'il va avoir de le faire. Enfin, la société, si elle le paye, c'est qu'elle attache de l'importance à mon intégration, et en plus, cette personne-là, elle est pleine d'attention, elle m'écoute, et j'ai un rôle dans la société. Enfin, elle me fait le lien, et je suis accueilli d'une certaine façon dans la société. Voilà, donc quels impacts un peu ça peut avoir dans nos dispositifs de formation. Je pense que c'est important que l'automate soit placé en tant que moyen. Bon, alors là, sur les parties automates, c'est de bien valider les productions des automates, puisque c'est déployé sur des cohortes entières, il faut bien identifier ça. Et puis, pensez aussi à tout ce qui est droit de l'individu par rapport aux informations prélevées par les systèmes. Le droit à l'oubli, le droit à l'erreur, comment c'est géré, qu'est-ce qu'on en fait. Ça reste aussi un point important. Voilà, donc, dans les prérogatives, c'est quand même tout ce qui est empathie, tout ce qui est voir la compassion, le compagnonnage, la reconnaissance, être reconnu par les humains dans les difficultés, l'engagement, dans les relations, les résultats, la quête de sens, l'identification des motivations profondes, le choix, la décision appartient à l'humain, voilà, et puis la confrontation, validation de l'action, enfin, dans tous ces éléments-là, c'est la prépondère, enfin, c'est, je pense, le positionnement du numérique comme outil, hein, et qu'il est important de savoir faire. Voilà, j'espère ne pas vous avoir emmené dans des chemins trop dispersés, avoir gardé une certaine cohérence. Si vous avez des questions, des réactions aussi par rapport à ça, je suis à votre écoute. Merci de votre attention. Vous avez des éléments très résultats par rapport à ça.
j'ai pas de statistiques hein, par rapport à ça. J'ai des exemples en fait. J'ai pas vraiment de statistiques, mais je vois bien que dans la formation d'ingénieur là, par alternant, par apprentissage, les gros enjeux des entretiens sont des enjeux d'intégration d'entreprise, d'orientation, et que souvent les accompagnateurs aident à le traiter. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui quittent la formation, mais quand ces personnes quittent la formation, je pense qu'elles le font à la fois reconnues par l'organisme, c'est-à-dire qu'elles ne s'enfuient pas de la formation, c'est on a pris acte ensemble, et on essaye de... Alors, j'idéalise peut-être, mais on essaie en même temps de poser les bases pour construire autre chose. Donc il y a peut-être sortie d'un dispositif, mais on essaie d'amorcer la rentrée dans un autre. Hein, c'est-à-dire qu'on est peut-être en... qu'il y a un certain nombre d'erreurs d'orientation, je pense que c'est impossible de faire autrement, d'une certaine façon. Par contre, que ces erreurs servent de tremplin pour là, puisse tromper et avancer, c'est une chose. Et puis, en même temps, nos entretiens permettent quand même de conforter, de consolider, d'aider les personnes à rester, alors qu'elles se seraient découragées, elles seraient sorties. Les taux, je ne saurais pas dire quel est le cap. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça Ce qu'on ne voit pas aussi souvent dans l'entretien, c'est le levier d'efficacité que ça a, c'est qu'on optimise. En optimisant le parcours des personnes, finalement, on permet de se trouver à leur meilleure place dans la société. On leur permet, je pense, de s'investir et de s'engager davantage. Et donc, je pense qu'en termes d'investissement social, enfin, on a un retour sur investissement qui est des personnes mieux... plus engagés, qui bénéficient mieux de dispositifs et qui vont être un acteur plus, pense, efficient globalement dans les milieux où ils vont s'insérer. En tout cas, j'ai pas non plus de statistiques, mais j'en ai la conviction d'avoir tous les entretiens et tous les recadrages qui ont été faits, travail sur les représentations pour faire évoluer les mises en adéquation, les mises en cohérence et tout, ça c'est... Je pense que c'est un levier extraordinaire et c'est une vraie question que de voir comment on peut donner de la visibilité à ça pour valoriser et donner aussi peut-être mieux vendre l'accompagnement aussi dans les formations. Mais ouais, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais j'ai pas les éléments statistiques qui peuvent donner des éléments. Si vous n'avez pas de statistiques, alors ça, je pense que ça... Alors, l'accompagnement en tant que tel, je ne saurais pas bien dire jusqu'où ça remonte, mais je pense que c'est... Peut-être que vous l'avez décrit, pour l'alternance. C'est antérieur. La première promo par apprentissage en alternance a dû être démarrée en 91 ou 89. Alors, c'est le diplôme qui a été remis en 91-92, donc elle a été démarrée en 89, je crois. Enfin, juste au moment où la loi, dans la formation d'ingénieur, formation continue, j'ai trouvé des textes qui sont antérieurs sur des... le dispositif d'accompagnement en tant que tel n'est pas décrit, mais on est un peu sur des postures en tout cas similaires. J'avais rencontré M. Vattier il y a quelques années, je pense qu'il avait une vision de la formation assez... où l'accompagnement avait une certaine place. Dans sa vision initiale, je ne sais pas si c'est exactement sous la modalité d'entretien d'accompagnement, mais c'est ça. Et du côté du CESI, je pense que les entretiens, c'est vraiment ce qui permet de prendre un individu et d'ajuster l'ensemble à la situation individuelle, oui, et d'optimiser ce parcours. Et donc, moi, je suis rentré au CESI en 93, tout le monde... l'accompagnement était vraiment maîtrisé et connu par mes confrères de l'époque et semblait un peu incrusté dans les murs. Question, monsieur.
parfois paralysé la formation et qui nécessite d'autres accompagnements aussi. Est-ce que vous avez rencontré ces phénomènes-là et comment vous l'avez fait? Vous avez un exemple? Quelqu'un qui, par exemple, socialement, a des soucis, familialement, Oui, alors ça fait partie des éléments clés sur lesquels on n'est pas toujours bien outillé. C'est souvent des pratiques qui se développent, qui se transmettent plutôt d'accompagnateurs expérimentés à novices autour d'un carnet d'adresses, d'assistantes sociales, de psychologues, de pouvoir aller voir un tel ou un tel. Ce qui se joue bien, au moins dans certains établissements, c'est que les accompagnateurs connaissent bien les compétences des uns et des autres. Et disent « Ah ben là, moi, mon accompagnement, il s'arrête là pour toi, mais va voir un tel. Il sera plus pertinent. » Alors, en termes d'accompagnement général, mais aussi parce qu'il a peut-être une spécialité un peu plus sur tel ou tel sujet. Puis après, les problèmes sociaux, problèmes avec l'entreprise aussi, à voir, tout ce qui concerne le droit du travail et qu'il faut gérer entre... quand il y a des écarts de droit du travail entre l'entreprise et l'organisme. Là, on a nos services juridiques aussi qui nous aident en interne. Puis après, les problèmes sociaux, c'est plus des... En général, c'est plus les accompagnateurs qui, dans leur réseau personnel ou avec l'expérience, se sont construits des carnets d'adresses, puis se les transmettent. Ou par rapport à une problématique donnée, vont les chercher dans leurs confrères et vont dire « Tiens, je suis coincé, j'ai tel problème, est-ce que vous avez aidé ?» Puis on va retomber sur des adresses, sur des façons de faire. Voilà, globalement, c'est... Vous avez dit que derrière, il y a un profil particulier pour être accompagnateur? Le profil particulier pour être un accompagnateur efficace, je pense que c'est quand même quelqu'un qui croit que la personne qu'il rencontre est capable de se développer, à la base. C'est point de départ. Après, chaque accompagnateur, je pense que plus il va monter en professionnalisation, plus on peut former, donner des repères sur les techniques d'entretien, etc., plus ça va être efficace. Mais je crois que c'est surtout une posture de départ, sans être trop dans le maternage non plus. C'est trouver la juste distance. Comme je vous disais, nous, typiquement, les accompagnateurs sont entre 20 et 30% de leur activité. Et ils sont recrutés, les personnes sont recrutées avec l'idée aussi qu'elles peuvent faire de l'accompagnement, mais ce n'est pas le seul critère. On est plus dans la posture de formateur et que les gens... je pense qu'un des vrais critères, c'est est-ce qu'on aime former, transmettre et aider quelqu'un à progresser. Et puis l'accompagnateur, c'est quand même celui qui est capable aussi de se mettre un peu en retrait et de laisser le projet de l'autre se développer et de voir comment on peut aider ce projet à se développer. Pour moi, ça serait le critère essentiel. Après, on voit des accompagnateurs qui ont des profils tellement différents et qui réussissent avec l'un, pas avec l'autre, et inversement. Bien sûr, il y a des règles de base, mais je veux dire, c'est aussi, on le fait avec son expérience professionnelle, avec tout ce qu'on a dans la porte. Et finalement, j'ai rarement vu quelqu'un qui disait l'accompagnement a échoué. J'ai rarement vu quelqu'un qui disait l'accompagnement a échoué. Il a toujours appris quelque chose des accompagnateurs. Il y a toujours, et en global, ça a toujours marché. Ça a très souvent marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les systèmes de l'heure que l'on peut avoir, on a des intelligences artificielles qui peuvent simuler de très près un fonctionnement humain dans un chat ou une question-réponse, des échanges.
Quelle est la place de l'humain un peu par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais tendance à... Ah, ça, c'est un avis personnel, une position. Hein, c'est... J'aurais tendance à dire qu'il faut que ce soit transparent et que l'on sache qu'on a affaire à une machine. Je pense que le minima que l'on doit comme respect aux personnes, c'est de leur dire c'est traité par une machine qui a pris les... que l'on a programmé et qui a développé des traits de relations type humain, mais c'est une machine. Et je pense que c'est important parce que c'est... on se retrouve en permanence dans un univers où il va y avoir de plus en plus d'interrelations et de pénétration des machines. Je pense que c'est important que, pour se situer en tant qu'humain, qu'on sache à quel moment on a affaire à une machine, à quel moment on a affaire à un humain. Ça serait moi, après, l'expérience dira ce qu'il faut peut-être pas faire, mais à minima, ça me semble être le respect de l'interlocuteur et de l'homme. Je vous remercie de vos questions.